le coup de cœur de la semaine. Alors, le coup de cœur de la semaine, là, c'est direction Bourgogne du Sud. On s'arrête dans le Mâconnais. Le vignoble, c'est le Pouilly-Fuissé. Pas confondre avec Pouilly-Fumé, parce que souvent, je l'entends. Pouilly-Fumé, on est en Loire et on est en Sauvignon. Là, on est sur un 100% chardonnay, puisqu'on est au sud de la Bourgogne. Le lieu dit, c'est la Marée Chaude. C'est une cuvée... Seulement 2000 exemplaires, donc vraiment 2000 bouteilles, c'est une rareté. On est sur un terroir exceptionnel, des éboulis de calcaire. Le nez s'ouvre sur du chèvrefeuille, de l'acacia. Ensuite, c'est un medley de fruits. J'adore les explications, les mots comme ça. On est dedans, voilà, on le sent. Je vais continuer. Mais oui, je vous en prie. La fleur, la pêche de vigne, également la mirabelle avec une pointe minérale. En bouche, on garde cette diversité. C'est frais, c'est très élégant. Un très grand Pouilly-Fuissé à conserver en cave pour les amateurs de chardonnay. Un très joli potentiel de garde. C'est quoi un joli potentiel? 10 ans, ça tient facilement? Ah oui, non, même plus, entre 10 et 15 ans là. Plus 10 et 15 ans. Là, on est sur 2016, il y a aussi une notion de millésime. Mais 10-15 ans pour garder quand même une fraîcheur sur ce chardonnay. Voilà. On nous dit parfois que les vins sont un petit peu chers, ceux que vous présentez. Celui-ci, il est à combien? Celui-ci est à 21,50 €, pour être précise. C'est vraiment le beau vin pour se faire plaisir. 2000 bouteilles. Donc, vous êtes vraiment sur un vin d'exception, un très grand chardonnay. Voilà, il y a un prix pour les belles choses.